Bonsoir à tous, ou rebonsoir, bienvenue de nouveau dans ce Beyond Gaming un petit peu particulier qui va donc être consacré aux commentaires du run de The Legend of Zelda Ocarina of Time dans la catégorie Any Percent, hein, comprenez par là la manière la plus rapide de faire le jeu qui est aujourd'hui, j'y reviendrai sans doute après, le Swordless au final, parce que même si dans la communauté Zelda on n'a pas distingué encore les leaderboards, le run que l'on va voir, qui est donc le fameux run hein, qui est atteint en fait, qui a été fait en si peu de temps, en 18 minutes 10 par Cosmo Wright, hein, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Twitch, ou peut-être pas, parce que vous savez qu'avec les mises en valeur Twitch, maintenant il va peut-être passer sur Hitbox TV, mais du coup... c'est vrai que Cosmo a mis tout le monde d'accord pendant. Enfin, voilà, le chemin de l'Indie Person était défini encore en utilisant une épée, ce qui n'est plus le cas maintenant, et que donc, a priori, la manière la plus rapide de faire le jeu, ça serait de ne pas utiliser, c'est ce qu'a prouvé Cosmo, même s'il s'est lancé dans un pari fou avec de nombreux resets et. Des choses que personne ne pensait d'ailleurs possibles jusqu'à il y a encore pas très 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 longtemps. Eh bien, voilà, aujourd'hui, l'Any Percent, c'est faire le jeu avec Link Petit et des bâtons Mojo. Hein, on en est quand même rendu à ça, et c'est vrai que ce que l'on va voir, c'est quand même assez incroyable. Alors ceux qui, c'est vrai qu'ils n'auraient jamais vu ce type de run, vous allez, je pense, quand même être pas mal surpris. Alors Cosmo, vous savez qu'il a été invité par la Team Super Play Live au Stunfest, vous avez peut-être eu la chance de le voir à Rennes début mai dernier, où il nous avait fait un run, alors qu'il était déjà en plein travail hein, sur Ocarina of Time, il avait été obligé d'ailleurs de rejouer un petit peu pour l'occasion à Castlevania 64 hein, parce que vous savez qu'il y joue beaucoup, il joue encore énormément depuis, enfin il a même encore un petit peu streamé dessus, et il a pris je sais plus, un peu après le début d'année il a repris vraiment l'entraînement très sérieusement d'Ocarina of Time avec ce pari fou hein, d'essayer dans un premier temps de passer sous les 19 minutes, chose qu'il est arrivé à faire, et puis en optimisant réussir à aller encore plus loin. Vous savez que son objectif très certainement c'était d'obtenir le 18 minutes 20, chose qu'il a allègrement battu, mais par un travail très minutieux, puisqu'il a vraiment repris pour certaines phases, même s'il a été aidé par d'autres qui ont trouvé aussi des stratégies qui lui ont permis d'obtenir ce fameux temps. Il a aussi fait un travail de très très longue haleine. Je vais commencer à en parler parce que c'est vrai que ça va durer tellement peu longtemps dans le jeu, sur le middle skip ou aussi sur la phase d'escape que l'on verra tout à la fin. Et c'est incroyable, hein, aujourd'hui ce run, imaginez il y a encore quelques temps d'obtenir ça, c'est-à-dire que déjà quand Ocarina of Time a vraiment été pulvérisé, début 2012 grosso merdo, où on a commencé à comprendre comment fonctionnait un petit peu le jeu et notamment les adresses mémoire, vous savez qu'en fait certains événements dans le jeu vidéo sont représentés par ces adresses mémoire, et on s'est rendu compte que lorsque on arrivait à en activer de façon assez précise avec des choses en mémoire, deux en même temps, bien, on arrivait à se téléporter dans le jeu quasiment à la fin, ce qui fait qu'on n'a plus à faire quasiment qu'un temple, et encore ce temple on le fait à moitié. Alors c'est pour vous dire où les gens sont arrivés. C'est un jeu bien sûr comme tous les Zelda qui est fortement suivi avec une communauté assez puissante, et ce qui fait que beaucoup de joueurs contribuent à améliorer sans cesse les temps. Vous savez qu'aussi il y a une catégorie qui sont apparues comme le Ganonless. On a trouvé un Wong Warp, c'est le nom en fait quand on se téléporte dans le jeu, quand on fait un téléport dans le jeu à un endroit qui n'est pas prévu, directement dans les crédits. Et du coup, ça a peut-être encore changé, mais pour le moment c'est ZFG qui a le record. C'est de l'ordre, je crois, autour des 40 minutes, un petit peu moins. Donc voilà, la communauté était tellement à fond dans le jeu qu'ils ont... Mais décortiquer le jeu comme c'est rarement fait, peut-être ça a été fait pour Metroid Prime, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de jeux qui peuvent comme ça, enfin se targuer, je ne sais pas si c'est une vantardise pour un jeu d'avoir été retourné, si vous voulez, sous toutes les coutures, mais c'est vrai que ça va aller très très vite. Alors je vais quand même essayer de vous préparer un petit peu le terrain, parce qu'on a le temps, hein, le run, donc comme je vous l'ai dit, c'est affiché, ça va être 18 minutes 10, mais j'ai besoin quand même de vous expliquer certaines choses, parce que ça va aller tellement vite que ça va être assez fou. On va quand même lancer l'intro.
Je me permettrai, si vous n'y voyez pas d'objection, de faire peut-être quelques pauses, même si vraiment j'ai vraiment besoin d'expliquer quelque chose de très technique, vu qu'on a le temps. Pour une fois, on a 1 heure pour expliquer ce run. Donc, je vais par contre baisser complètement le son, parce que même si Cosmo était très silencieux dans ce run, on va se permettre d'enlever sa voix, parce que même si vous n'avez pas le son du jeu, je vais essayer quand même de compléter pas mal de choses. Donc ce jeu, hein, Zelda Ocarina of Time, sorti sur Nintendo 64 en 98, alors après, pas au mois près pour toutes les versions. Alors première chose très particulière, ce qui fait que Cosmo déjà se détache des autres runners, c'est pour une raison quand même qui n'est pas négligeable. Je ne mets pas du tout en cause son skill quand je vais dire ça, mais il joue sur une plateforme qui est particulière, qui s'appelle l'IQ. Qu'est-ce que l'IQ? C'est une console qui est sortie uniquement en Chine, alors qui est une console officielle, hein, contrairement à ce qu'on peut lire. C'est vraiment Nintendo qui a développé cette console, qui a la particularité en fait d'être une grosse manette, si vous voulez, avec les jeux qui seraient téléchargés. Hein. C'est un peu comme les jeux actuels, vous voyez, ils sont pas dans le cloud, ils sont dans un disque dur, et du coup, eh bien, c'est la version actuelle la plus rapide du jeu. Hein. Elle fait quand même gagner une dizaine de secondes. C'est pas non plus excessivement fort, mais une dizaine de secondes pour quelqu'un qui ferait alors l'ancienne route Nipersaint sur la Virtual Console japonaise, qui est l'autre grande plateforme préférée pour ce jeu. Donc voilà, il a sa grosse manette. Alors d'ailleurs, ça lui a posé pas mal de problèmes. Quand je dis sa grosse manette, n'y voyez pas de mal. Mais il a dû réapprendre la sensibilité du stick. Parce que malheureusement, passer d'une manette à l'autre, bah, ça se fait pas, d'un support à l'autre, ça ne se fait pas sans rien, sans souffrance. Le stick n'est pas mappé de la même manière, ce qui fait que la sensibilité n'est pas la même. Et on va voir qu'il y a beaucoup de tricks. Alors non seulement qu'ils sont frame perfect, c'est-à-dire que vous avez une frame, c'est-à-dire une division d'une seconde, si vous voulez, le jeu tourne en 20 images par seconde, hein, Ocarina of Time. Donc une frame, voilà, bah, vous voyez un petit peu ce que ça fait, hein, il y a 20 images par seconde, donc une frame c'est 1/20. C'est rien, et il y a beaucoup de tricks qui sont frame perfect, comme ça, de stratégies qui sont frame perfect, et d'autres qui demandent aussi un placement très précis et, si vous voulez, une dextérité et une maniabilité du jeu vraiment qui doit être décuplée à ce moment-là, donc une telle précision qu'il faut, il en a pas mal d'ailleurs chié à cause de ça, qui vous fait galérer parce qu'il faut rapprendre à jouer alors que lui, il l'avait runné, oui, il avait dû le runner sur 64, après il a dû passer sur Wii avec une manette GameCube et ainsi de suite, et donc à chaque fois, ça demande de s'adapter. Donc au début, on peut pas y échapper, cinéma qu'on ne peut pas passer, c'est un peu comme tout à l'heure dans God of War, quand vous renez le jeu, bah, il y a certaines cinématiques que vous ne pouvez pas passer. Dans God of War, on a vu que c'était aucune. Et bah là, la première, l'introduction, qui dure, vous allez voir, jusqu'à pas mal, quasiment 3 minutes. Eh bien, ça va. C'est quelque chose qu'on est obligé d'attendre. Alors, ça va aller très vite une fois qu'il va sortir. Alors, je vais commencer à préparer le terrain. Les déplacements qui vont être préférés dans Ocarina of Time, ça va être ce qu'on appelle le backwalking, donc le fait de marcher en arrière, et le side-hopping, le fait de sauter sur le côté. Donc tout ça, c'est pour ceux qui ne sauraient pas, ça se passe avec des interactions par Navi. C'est assez bizarre, mais en fait, c'est Navi qui permet de changer son orientation et du coup qui nous permet d'activer ou non le side-hopping. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va être assez utilisé. Bien sûr, les roulades aussi hein, seront préférées à se déplacer normalement, mais vous allez voir très vite que en fait, on va faire une partie du jeu quand même à reculons. Ça va d'autant plus se voir quand on va observer d'autres glitches dans ce jeu. Qui est notamment les slides, les super slides, même si on verra principalement en fait des extended super slides. Je reviendrai sur ces petites différences. Donc voilà, là on est presque sorti de chez soi. Alors il y a d'autres choses aussi qui seront utilisées. Vous verrez qu'on reviendra dans ce village parce qu'au final c'est plus rapide. Mais ici, voilà, donc tout de suite, vous voyez, petit saut, ça part pas de temps, le petit backflip pour passer les barrières, tout en arrière. Là on se retourne, des petites roulades pour se déplacer. On a pris quelques au passage, j'ai une petite coupure hein, de la vidéo, c'est normal, on a changé de segment, ne vous en faites pas. Et on a pris donc suffisamment de rubis, donc le chemin est prévu pour acheter, vous voyez tout de suite, un bâton Mojo. Ils sont donc disponibles directement dans le village parce que ça va être la principale chose qu'il va acheter. Voilà, et on va s'en équiper d'un tout de suite. Donc il en a dû en acheter deux si ma mémoire est bonne. Et il va donc pour le moment se déplacer, vous voyez, avec uniquement son bâton. Il n'a pas acheté encore pour le moment de bouclier. Et en fait,
Normalement, pour tous ceux qui ont fait le jeu correctement, vous devez vous rendre à l'arbre Mojo, mais pour vous rendre là, vous devez avoir d'équiper, parce qu'il y a Mido qui check ce que vous avez, une épée et un bouclier. Sauf que lui, il va pas du tout se rendre tout de suite à l'arbre Mojo, il va aller au village Karaiko, ou Cocorico en français. Un village juste à côté, alors vous voyez, avec un déplacement quand même assez précis, tout en marche arrière. Alors, la trajectoire qui est prise ici, c'est pour ça. On va se rendre pile poil dans cet angle, faire un backflip, bim, on jump slash, vous voyez un endroit très précis dans cette pierre, on clip à travers la pierre et on passe sous la porte. Normalement, il faut un item pour plonger et atteindre la porte. Mais en fait, les joueurs ont trouvé des moyens de clipper avec un placement excessivement précis. Vous avez un jump slash, donc une attaque bâton sauté. Et du coup, en tapant dedans, on clip à travers et on peut passer à travers cette porte. Ensuite, on va se rendre assez vite donc dans la rivière. Donc, on cherche à aller au village Carico. Je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi. Et dans cette trajectoire dans la rivière, on va essayer de prendre un maximum de rubis qui seront utiles pour acheter le bouclier. Donc, le souci, c'est que quand vous avez un bâton Mojo, c'est qu'il se casse. Donc là, alors oui, là j'explique, il s'est hissé sur la paroi pour faire un saut en arrière et aller récupérer un rubis caché rouge qui lui permet, eh bien, vous voyez, d'atteindre, là, on est à 54, 55, d'avoir la somme nécessaire qu'il lui faudra pour acheter. Alors, le problème du bâton, là, il a jump slashé pour atteindre le trigger et passer de l'autre côté. Alors là, on va commencer à avoir un Water Extended Super Slide. Donc, vous avez des grands dérapages dans le jeu, et quand vous sautez, vous jump slashez, vous avez la possibilité de faire un dérapage. Alors, il y a différents types de slides dans le jeu. Ça, le Water Extended Super Slide a des particularités, c'est qu'il est orientable. Donc, ça permet de se déplacer plus vite, de passer le hibou qui est à l'entrée ici, et d'arriver, en fait, juste avant le coucher du soleil pour aller récupérer la bouteille une fois que vous aurez mis les poules dans votre enclos, enfin, dans l'enclos. Si vous, en fait, arrivez trop tard, c'est niqué. Les poules sont en train de dormir, donc vous n'avez pas de cocotte. Si vous ratez votre Water Extended Super Slide, donc vous allez prendre l'interaction avec le hibou, ça vous fait perdre du temps. Et vous pouvez aussi rater votre Water Extended Super Slide. Si vous n'avez pas le bon contrôle sur le stick, il faut donner des tout petits coups pour s'orienter, pour pas le casser ce super dérapage arrière. Parce que sinon, eh bien, du coup, vous vous retrouvez comme un con au milieu de l'eau, ce qui ne sert absolument à rien, vous n'arrivez pas à atteindre le village. Donc là, il est en train de réunir les poules. Malheureusement, une phase qui est assez RNG, mais dans ce run, il a eu une très très bonne disposition des poules, des cocottes, ce qui explique en fait aussi qu'il ait battu son temps. Faut savoir qu'en fait, malheureusement, c'est une phase RNG, leur placement eh bien, va dépendre un petit peu des différents runs que vous faites, donc c'est aléatoire. Et en plus, alors il faut se dire que là, vous le voyez se saisir des poules sans problème. Croyez-moi que aussi ça demande une certaine dextérité parce que sinon vous avez déclenché une autre interaction. Quand vous êtes près d'une porte, si vous voulez saisir d'une poule, vous avez toutes les chances d'ouvrir la porte et pas de saisir la poule. Il faut faire des sauts, là on se déplace, elle est dans le vide parfait, récupère cette dernière poule. Il a fallu donc une poule pour aller chercher une autre poule. C'est un jeu où il y a beaucoup de poules, hein. Il y a des femmes qui travaillent quand même. Ah non, ça j'ai pas le droit de le dire, après ça se passe mal, il y a des mauvais commentaires sur JVC. Et donc, là, en fait, il est monté, hein, on l'a pas vu, mais il a accédé à l'échelle en passant, en fait, dans un angle où on voit plus la visible, où on ne voit pas, en fait, où la barrière est invisible, mais il a sauté, en fait, sur la barrière, ça c'est parfait, on se sert de cette poule, et on va ramener ses poules. Alors, le souci aussi, vous voyez, donc, c'est qu'il a cassé son bâton, hein, quand il a fait le Water Extended Super Slide, et vous n'avez plus, donc, de moyen de faire rentrer les poules en donnant un petit coup d'épée. D'ailleurs, faut pas trop en donner, sinon après, ça se passe mal dans l'enclos. Vous faites un peu attaquer par ces dernières, et donc, du coup, c'est ça. Une des difficultés, c'est de pas casser son bâton, enfin de savoir qu'on va casser son bâton, mais de se débrouiller parce qu'après on n'en aura pas d'autres, et surtout quand on va tenter les glitches, bah, c'est pareil, tout le monde peut casser vos gâteaux. Alors, il a récupéré une bouteille, donc tout ça pour ça, vous allez me dire. Il récupère une bouteille qui s'empresse de remplir d'insectes. Pourquoi? En fait, il va faire du RBA, qui est une technique, le Reverse Bottle Adventure, qui permet de faire plusieurs choses, dupliquer des objets et tout, mais nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est qu'il va faire l'Ocarina Item Glitch. Il a été chercher cette bouteille pour plus tard faire croire au jeu qu'il a un Ocarina, et ça aura son importance. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a pris des insectes dedans. Il aura besoin de reprendre des insectes, donc de les relâcher, les insectes de la bouteille, et de les reprendre pour pouvoir avoir cette bouteille à la main et faire croire au jeu qu'il a un Ocarina à un moment précis. Bien, je reviendrai un petit peu sur les slides aussi, parce qu'il existe tout un tas de super slides, mais par exemple, la plupart des slides ne sont pas orientables, ce qui fait la différence en fait avec les autres slides, et notamment le Water Extended Super Slide, autrement dit le WES. Donc là, il achète enfin son bouclier, des coustiques, donc des bâtons Mojo, pardon, des coups en fait, c'était des culs en fait, hein, Mojo en japonais. Et donc là, un des tricks les plus durs, le Mido Skip. Donc,
Il se place, il sait exactement où il se place. Là, il va faire un peu de post-buffering, voilà, pour être exactement à la bonne frame. Ça y est, là, il a la bonne frame, il est parfait, il va s'équiper du bouclier parce qu'il va en avoir besoin. Il jump slash, hop, en sortant, parce qu'en fait, il utilise la pose pour aussi équiper, hein. Non seulement être un endroit très précis, et là, le mid skip. C'est incroyablement dur ce qu'il vient de faire. Vous en rendez peut-être pas compte, mais en fait, il s'est basé à la sortie du marchand, à un endroit très précis. Il s'est déplacé en faisant des side hop. Il a trouvé un angle qui lui convient. Il a pose bufferé pour être à la bonne frame, hein. Vous n'êtes pas en train de rêver. Il n'a pas fait une pause, même s'il l'a un petit peu raté. Là, c'est ce qu'il dira, en fait, c'est ce qu'il dit pendant son run, qu'il a en fait un petit raté son post buffer et que du coup il a perdu 4 secondes. Ah oui, parce qu'il en est à ce point-là, lui, il joue à la seconde, hein, Cosmo, il rigole vraiment pas. Du coup, il jump slash, vous avez vu un endroit, en fait, il sort, hein, si vous voulez, en faisant ce qu'il fait, il sort de la map, mais par le dessous, en se jetant dans la rivière, et l'idée c'est d'être propulsé derrière Mido. Et c'est ça qui est excessivement dur parce que vous avez toute la chance d'être propulsé devant Mido. Cinématique, ici, à l'entrée de l'arme Mojo qui est excessivement importante pour effectuer le Wong Warp qu'on va voir après qui va être l'autre gros trick qui va arriver même si vous allez voir avant le B1 Skip. On va récupérer une arme Mojo dont on aura besoin pour battre Goma, donc c'est pour ça aussi. Il a activé au passage l'ISG. Vous avez peut-être vu que son bâton Mojo s'est mis à briller. L'ISG, l'Infinite Sword Glitch, un truc qui permet de rendre son bâton actif tout le temps, même quand vous ne tapez plus en fait. Donc c'est une manip qui est pas évidente à faire, qui se réalise, voilà, il en fait un autre, qui se réalise avec une interaction avec Nevi. En fait, vous cancellez des actions si vous voulez, et du coup, ça rend votre bâton actif tout le temps. Et là, il va faire une chose très très dure, le B1 skip. Voilà, il va faire une roll sur l'araignée, se propulser derrière lui. Il y a des toiles d'araignée qu'on est censé normalement détruire en faisant des sauts assez importants. Là, il a jump slashé, vous avez vu, il atterrit du bon côté de la bordure et en faisant un saut arrière, il propasse à travers une autre toile. Alors, je vais vous expliquer. Normalement, vous ne pouvez pas passer à travers ces toiles de cette manière-là. Vous êtes obligé d'avoir une hauteur différente. Là, juste le petit trick, regardez où il se met pour résoudre l'énigme parfaite. 2-3-1 sans problème pour ouvrir la porte de Goma. Ça a été très vite. Une technique qui a été trouvée il n'y a pas très très longtemps et qui permet d'optimiser là aussi de quelques secondes ce passage pour aller vers la porte de Goma. Donc ce B1 skip en fait vous permet d'avoir une vitesse suffisante. Vous êtes propulsé, vous faites un recoil boost, c'est-à-dire que vous tapez dans le mur pour avoir une accélération, vous allez suffisamment vite, ce qui fait que vous passez à travers l'étoile d'araignée parce que le jeu en fait les matérialise mais elles ne sont pas texturées, donc les collisions ne sont pas chargées, vous passez à travers et vous vous rendez en dessous. Mais il faut-il qu'il y ait le bon angle pour atteindre le bon côté de la rivière. Si vous vous jetez comme ça, vous allez atterrir dans l'eau et vous ne pouvez pas monter sur le rivage qui vous intéresse parce qu'il vous faut faire tout le tour normalement, récupérer le lance-pierre et bouger une plateforme pour réussir à normalement atteindre ce côté du rivage. Mais lui, en trouvant les angles et en jump slashant au bon moment, il a eu la vitesse nécessaire. Alors là, chose très intéressante, il a déclenché l'ISG, il va se faire clipper à travers la porte, pousser en shieldant, donc en mettant son bouclier devant lui. Et là aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais chargé en fait une super attaque du power. Il a fait du power stabbing en fait. Avant, je reviendrai un petit peu là-dessus pour rendre son bateau magique le plus puissant possible. Là, ça s'est parfaitement passé. En fait, il s'est mis à un endroit précis, s'est fait poussé par Goma au travers de la porte. Il s'est mis derrière la porte, il avait l'ISG d'activé, donc rappelez, je vous rappelle, c'est le fait que son bâton Mojo soit actif tout le temps. Et du coup, en faisant des roulades, il touchait Goma et il a lancé en plus une arme Mojo pour faire un petit peu plus de dégâts. Et c'est là où c'est très important. En faisant cette technique qui a été trouvée il n'y a pas si longtemps que ça, on n'a pas besoin de se refaire, de se faire tuer par Goma, avant c'était ce qui était utilisé. On est tout de suite devant la porte, on est ressorti, donc on va arriver, on va rouvrir la porte. Et là, on utilise la fameuse bouteille. On relâche les insectes, on prend cette bouteille à la main. On fait croire au jeu, vous voyez en fait en mettant la bouteille à un moment et en sortant le bâton au bon moment, eh bien on fait croire au jeu, on joue de l'ocarina avec son bâton, ce qui est n'importe quoi. Le jeu pense que vous avez l'ocarina, vous n'êtes donc pas propulsé par l'anneau bleu en haut, vous n'avez pas le blue warp et vous ouvrez ensuite la porte frame perfect. Parce que ce qui se passe, c'est que vous avez activé un anneau le Blue Warp, qui est censé activer une autre cinématique quand vous vous élevez dans les airs. Et en fait, Cosmo a ouvert la porte en même temps que l'activation de cette cinématique. Ce qui crée un conflit entre deux adresses mémoire, parce que en plus, la dernière cinématique chargée était celle à l'entrée de l'arbre Mojo. Ça crée un conflit, et le jeu, en fait, sort une nouvelle adresse mémoire issue de ce conflit. Cette adresse mémoire correspond à la défaite de Ganon. Donc vous arrivez ici dans la phase d'escape, alors pas la phase finale de Ganon, mais le première victoire de Ganon, alors que vous avez Link petit, que vous n'avez pas du tout les flèches d'argent, que vous n'avez rien fait de normal dans le jeu. Vous avez donc été
téléporté à la fin du jeu parce qu'il a utilisé un Tricks Frame Perfect. Alors en fait, il faut savoir que les joueurs ont une fenêtre pour savoir par rapport où ils sont à la porte, pour savoir quand l'ouvrir. En fait, ils se repèrent souvent au sol et par habitude. Et en fait, ils ont différentes frames sur lesquelles ils vont faire différentes actions parce qu'ils savent que ça va correspondre à la bonne frame qui va être en adéquation avec le lancement cinématique. Allez là, une chose assez intéressante, il va faire un shield sur ce rocher, il prend le dégât sur le rocher, ça crée une propulsion, ce qu'on appelle un S, un Hyper Extended Super Slide, donc propriété, il est aussi rapide qu'un Super Slide et orientable. Il est du coup propulsé, il clip, il fait de l'OOB. Donc, il fait pas toute la phase où il est obligé d'attendre Zelda qui va ouvrir toutes les portes. Il descend directement, il se dirige. Par contre, là, il a un petit peu raté son jump slash. Donc, là, il a beaucoup stressé à ce moment-là. Il faut savoir qu'il l'a rattrapé là. Parce qu'en fait, il avait raté son jump slash. Il l'a pas fait au bon moment. Donc, du coup, l'orientation était pas bonne. Vous avez vu qu'il est dans le vide. Il faut réussir à se rendre au bon endroit. Parce que sinon, vous n'activez pas la suite du jeu. Et vous ne pouvez pas avancer. Donc, vous vous retrouvez à tomber. Alors, je suis pas sûr dans le vide. Mais en tout cas, pas aller au bon endroit. Et alors là, attention, on se déplace. On prend la place devant Zelda en faisant des petites roulades. Et là, le kiss. Alors, qu'est-ce que le kiss? C'est que lorsque vous arrivez à vous placer exactement au même endroit, Zelda va arriver devant vous et vous poussez vers la porte, vers la sortie. Et ça fait gagner quelques frames. Hein. C'est pas des secondes, c'est des frames. Hein. Donc ça se voit pas à l'œil nu. Mais sortir le meilleur temps 18-10 et faire en plus le kiss, c'est incroyable. Donc là, on va arriver, vous voyez, il a quasiment 20 secondes d'avance. Ne vous en faites pas, hein. Si vous avez des questions, j'y répondrai à la fin du run. Ne vous faites pas de soucis, on peut ouvrir, on aura 30 minutes pour ouvrir une question, question-réponse. On pourra même repasser des endroits précis si vous le souhaitez. Donc ne vous inquiétez pas, je finis de commenter le run et je vous explique tout ça. Donc je répète un petit peu ce qui se passait. Alors vous n'avez pas fait gaffe, vous n'avez peut-être pas fait attention non plus. Mais je rappelle quand même que dans cette phase-là où il y a des rochers enflammés et tout ça, il faut surtout pas s'en prendre un. Vous avez un bouclier en bois, vous avez un bâton en bois. Vous pouvez foutre le feu et c'est la fin du run. Donc il faut absolument faire attention à ces trajectoires. Du coup, ici, dernière grosse phase difficile. De nouveau, on va voir l'ISG. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé rapidement de l'ISG, donc l'Infinite Sword Glitch, rendre active son arme tout le temps. Donc du coup, on n'a plus besoin de taper pour qu'elle donne un coup, en sachant qu'il a fait donc du power stabbing. Donc il a rentré une grande attaque juste avant, qu'il a chargé si vous voulez. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait un stabbing, qui est une attaque des stocks, elle n'a pas de valeur dans le jeu. Et donc, du coup, le jump slash, en fait, est une attaque qui est assez puissante. L'attaque sauter bâton est assez puissante. Voilà, Link qui est téléporté, parce que du coup, il faut quand même qu'il soit à hauteur de Zelda. Hein, voyez-vous, il est tout petit, mais il faut qu'il puisse atteindre sa bouche, c'est important. Donc, du coup, on met un escabeau virtuel sous ses pieds pour qu'il fasse quelque chose. Il est trop petit, que voulez-vous, il est trop petit, il est trop petit, quoi. C'est le passe-partout de Ocarina of Time. Donc, voilà, on a fait ce qu'on a pu. Je sais pas si t'as autant de fessiers que passe-partout à la RATP, mais enfin, en tout cas, du coup, c'est vrai que c'est violent ce qui se passe. Donc, dernier gros tricks, et là, il faut savoir que Cosmo, il a énormément stressé, parce que du coup, il a fait sa petite erreur sur l'escape, à la suite du S, donc du Hyper Extended Super Slide. Désolé, hein, il y a beaucoup d'acronymes, parce qu'on n'aurait pas le temps de tout dire, sinon il faut aller vite quand on commande du speedrun. Et là, en fait, il y a un dernier truc à faire, c'est l'ISG. Sauf que l'ISG, il faut quand même un certain temps pour le sortir. Vous faites une interaction avec Nevi très vite, vous cancellez une attaque, grosso merdo, et du coup, ça rend l'attaque active tout le temps. Je fais des gros résumés, ça sera peut-être pas précis, désolé pour les puristes, mais on est là pour aussi commenter pour que vous compreniez tous. Et donc là, ISG, il a très peu de temps pour l'activer. Vous voyez, il a réussi à l'activer. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu juste une interaction. Sinon, Ganon le frappe et c'est fini. Hein, parce que là, il a plus qu'un cœur. Hein. On n'est pas censé être là avec si peu de cœur. ISG activé. Heureusement, en plus, avec le bâton Mojo, l'ISG étant activé, le bâton Mojo permet d'atteindre le point faible de Ganon sans se déplacer, enfin sans se déplacer, sans donner un coup. Juste, c'est à la bonne hauteur pour atteindre le point faible de Ganon. Donc, il a fait des petits déplacements très précis. Il était en train de pourrir Ganon en lui envoyant un coup à chaque frame, ce qui fait qu'il le poutre aussi vite. Hein. Et là, de nouveau l'ISG. Alors là, il a plus de temps pour l'activer, mais ça reste quand même très difficile. Hop, on passe devant, on passe derrière. Attention, on n'est pas tout à fait bien passé, c'est bon. Allez, là, on y arrive, on est derrière. Vous voyez, ça touche pas. Et le petit pas hein, qui fait pour être placé très précisément. Allez, on l'a presque fini, on l'a presque fini. Voilà! Et on l'a poutré, Ganon. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Allez, prendre la. Finir avec le dernier coup, avec la Master Sword qu'on vous donne en plus, hein, le jeu il est comme ça. C'est tout, vous prenez tout, le beurre, l'argent du beurre, les fesses de la crémière, il y a tout ce qu'il faut. Et là du coup, il prend les dernières choses à faire, vous allez voir en fait, ça va se transformer son bâton Mojo au dernier moment dans la cinématique de fin, on va lui donner un coup, on n'a pas besoin de changer. Du coup, quand on arrive dessus, eh bien c'est la Master Sword qui est sortie, heureusement, hein, parce qu'on n'avait pas été la récupérer. Merci Zelda, merci le jeu, merci Ganon d'être mort aussi la première fois qu'on est arrivé, merci Ocarina of Time et merci à tous d'avoir suivi ce 18. 10, 10, 18, 10, 13.
36, quasiment aucune erreur. Peut-être, alors le bisou, voilà, c'est le kiss, sa petite amie qui était à côté, c'est incroyable, c'est l'effervescence, on va pouvoir faire du sexe maintenant après un 18-10 comme ça, c'est parfait. C'est invraisemblable ce run, c'est invraisemblable, tant techniquement tout. Les, je sais pas, toutes les 10 en 20 secondes, il y a un trix, quoi. C'est, je veux dire, c'est pas comme ce connard de Sephiroth qui run MGS, où il dort dans la salle de torture, où il n'y a rien à foutre, où on se fait chier. Alors, là, tout le temps, il y a quelque chose à faire. Et c'est vrai que ce run, il est impensable, où on en est aujourd'hui, on est arrivé dans Ocarina of Time avec un trick toutes les secondes, ses frames perfects, et en plus le travail de Cosmo sur le mido skip qu'on pensait pendant longtemps Tassoni, c'est-à-dire qu'on connaissait ce trick. Ce mido skip, je rappelle, c'est quand on passe sous Mido dans la flotte, on passe dessous, on passe sous la terre, on réapparaît derrière Mido et on lui fait coucou et on lui dit connard, j'ai de la drogue sur moi, mais tu ne l'as pas vu. Et du coup, on passe comme ça, comme à la douane. C'est vrai que bah ça, c'est quelque chose qu'il a travaillé, mais des heures, c'était incalculable. Le mec, il était là, il arrivait ici, il savait qu'il avait toutes les chances de reset, il s'en fout, il faisait 20 000 runs. Vous voyez, 1269 tentatives avant d'obtenir un 18-10. En sachant que certainement tout n'était pas compté dans son timer, hein, parce qu'il doit runner. Je crois qu'il l'avait dit, il run depuis 2006, je crois, le jeu au final, quand il avait un petit peu commencé. Faut savoir qu'il était, il était au début de Lenny Percent, il était présent. Après, il a un petit peu laissé tomber. Il a moins suivi l'actualité parce qu'il s'est porté beaucoup, beaucoup de son attention sur Zelda Wind Waker. Alors, ensuite, il a fait un peu de Castlevania 64 et puis il est revenu très fortement, en sachant qu'il est passé aussi par du Monkey Ball, qu'il a joué un peu à du F-Zero, enfin bref, du Commander Keen et j'en passe et d'autres. Et il est revenu là en 2014. Dessus et il a tout défoncé. Hein. Faut savoir que bien sûr Cosmo en plus est un pionnier dans la communauté du speedrun. C'est une des figures. Plus de 150 000 followers sur Twitch. Il doit avoir quasiment, je sais plus, 7 000 personnes pour son record. Il a pas fait les 10 000, mais on était pas loin. Il vit quasiment de ça. Hein. Faut savoir qu'il est développeur, je crois, web en freelance. Mais avec les dons, avec les substrats Twitch et tout, il peut penser sérieusement et il arrive quand même à vivre avec tout ça. C'est un des rares comme ça dans le speedrun qui a une telle aura. Il y a beaucoup de bons speedrunners, mais non seulement lui il est bon, et en plus, je veux dire, il est adoré, quoi. Hein. C'est vraiment devenu, surtout, c'est vrai, en l'espace, je pense, depuis fin 2000, fin 2013, en 2013 et 2014, parce qu'il y avait aussi Sigalmic qui était beaucoup apprécié. Sigalmic a un petit peu arrêté de jouer, il est revenu, mais après, vous savez qu'il s'est fait prendre son record à Super Mario 64 par Punky. Et du coup, c'est vrai que l'effervescence autour de Sigalmic est un petit peu retombée, même s'il est toujours très apprécié. C'est d'ailleurs un ami hein, de Cosmo. Ils se croisent très souvent et ils font aussi des fois des races où ils s'amusent comme ça ensemble. Savoir aussi qu'il joue beaucoup à Smash Bros. D'ailleurs, Cosmo. Il a fait le tournoi au Stunfest et qu'il fait aussi souvent des tournois là où il habite et qu'il aime, il aime particulièrement Smash et qu'il doit attendre le prochain. Vous pouvez être sûr. Il a déjà une Wii U de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on ne peut. Si on me dit, il a la coiffure de Link. On avait dit qu'on ne parlait pas de la coiffure Beatles de Cosmo. J'avais dit non, pas les cheveux. Pas les cheveux. Bien. Alors n'hésitez pas maintenant, hein, parce qu'on a quand même une trentaine de minutes. On va, je pense, se faire une petite page de pub avant que je décède d'inanition, puisque je stream depuis midi. Je n'en peux plus. Elle est pas rouge pour ceux qui ont suivi le stream sur MGS. Donc, petite pause. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez que je repasse un moment du run, eh bien réfléchissez-y. Puisque réfléchissez-y, tout de suite maintenant, puisque je suis à votre service, je vais essayer de partager mes maigres connaissances sur le speedrun d'Ocarina of Time avec vous. Donc, on revient juste après la pub et ce mouvement, non, pas ce mouvement, ce magnifique run, dans un mouvement de rapidité comme ça, pour se remettre de ses émotions. Et donc, voilà, n'hésitez pas à poser des questions au hashtag Beyond Gaming aussi. Mentionnez-moi sur Twitter si vous préférez, ou dans le chat si dans le chat, mais si des fois je n'ai pas vu votre question, mentionnez-moi sur Twitter. Et j'essaye de répondre à vos interrogations. Allez, à tout de suite pour la question-réponse hein, autour du speedrun et 10%. Et encore une fois, félicitations à Cosmo. Suivez Cosmo Wright. Donc Wright, ça s'écrit Wright, je crois. Il n'y a pas de H avant, je ne sais plus. De toute façon, vous tapez Cosmo Zelda, vous allez trouver. Il n'y a pas de souci. Suivez sa chaîne YouTube, suivez sa chaîne Twitch. Et voilà. À tout de suite pour les questions.
Après la pub. Nous revoilà dans Beyond Gaming. J'espère que vous avez eu le temps de vous remettre de ce run d'Ocarina of Time. Quelqu'un veut revoir les cocottes? Oui, il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour... Toi, je sais que tu préfères les cocottes, tout ça. Ça ne me surprend pas de toi. Bien. Alors, on m'a demandé, donc d'abord, Contrôle Balou qui m'a demandé le skip sur Goma. Donc, l'affrontement, en fait, hein, il n'y a pas vraiment de skip sur Goma. Et donc, le Mido Skip, Kevin, qui m'a demandé ça. Donc, faire d'abord, on va faire ça dans l'ordre, en fait. On va faire le Mido Skip d'abord. Donc, tout de suite, le temps que je prenne un petit coup de drogue. Voilà, toi, Jenica, tu t'es remis de sa coupe de cheveux, tout va bien.
Donc, nous sommes. Ah ben, il peut pas tout faire, il peut pas aller chez le coiffeur et il peut pas avoir le meilleur temps sur Ocarina of Time. Bien. Heureusement qu'il comprend pas le français, Cosmo, sinon on serait dans la merde. Je ne commenterai plus jamais Cosmo en live, hein. Vous venez de me griller là. J'espère qu'il va pas regarder mon gagner. Alors donc, je vais vous le faire peut-être frame par frame. Est-ce que ça sera plus. Est-ce que ça sera plus intéressant? Qu'est-ce que c'est? Non, ta gueule, toi. J'ai pas besoin de ça, c'est pas ce que je veux. C'est là que ça se passe. Donc là. Là encore, il va sortir, on s'en fout. Voilà. Donc, il vient d'acheter deux, vous voyez ici, donc deux bâtons. Un qu'il va utiliser ici, donc qui va péter, et un autre qu'il aura besoin dans l'arbre Mojo. Donc, il a été chercher la bouteille, hein, je vous le rappelle, dans le village Kareiko. Et donc là, à partir du moment, si vous voulez, où il sort de chez le marchand, eh bien, il a ses repères. C'est-à-dire que s'il se rate, vous voyez, dans sa trajectoire, ou qu'il rate le glitch, que ça passe pas, il va faire exprès de se replacer en rentrant chez le marchand, pardon, et en ressortant. Ça, c'est excessivement important à comprendre, puisque ça fait partie, en fait, de sa stratégie pour être parfaitement placé. Vous voyez, rien n'est anodin, tout doit être parfaitement géré. Donc, ici, il va, pardon, il va donc se déplacer. Vous voyez, donc là, on voit encore la caméra qui fait même un petit peu de la merde, parce qu'il est à peine sorti, il fait des side-up. Side-hopping, voilà. On regarde parfaitement où on est. Et là, on va commencer à utiliser. Alors, ça va être un petit peu plus loin. Donc, on arrive près du rivage. Vous voyez, ici, il y a de la flotte. Et c'est une partie de cette flotte qui va nous permettre d'ailleurs de passer là où on veut. Alors, faut voir que Mido, en fait, est derrière là. Hein. C'est vrai que c'est peut-être pas très, très, très visible. Mais en fait, on va se déplacer un peu bizarrement. C'est pour ça que les angles semblent louches. Mais vous allez voir qu'au final, ça va le faire. Donc là, on est un peu dans l'eau. On fait un backflip, donc tout ça en fait est fait, il sait exactement le nombre de sauts qu'il doit faire. Un backflip, il sait qu'il va être bien placé. Tout de suite un autre side hop. On s'est équipé du bâton, tout va bien. On continue à se déplacer. Voilà, là vous voyez Mido. Donc la trajectoire est qu'il va prendre. Il va essayer de passer donc dessous et aller un peu comme ça pour atterrir derrière. Ici, vous voyez, parce que donc là je rappelle que ce personnage vérifie que vous ayez pour passer un bouclier et en fait le bâton Mojo. Alors en soi, à partir de ce moment-là dans le run, il les a, hein, on est d'accord, il a le bouclier et il a deux bâtons. Mais le problème c'est que il n'a pas l'épée. Donc en soi, il ne pourrait pas passer. Ok? Et même s'il avait, imaginons qu'il avait l'épée, que ce soit pas un run swordless, bah, de toute façon ça irait plus vite de faire le Mido skip que de s'arrêter parler à Mido. D'accord? Il faut bien voir ça. Donc, on se met en position, voilà, et c'est là où il va pause bufferer. Donc, il commence à faire son saut, et là, il active la pause. Sauf que là, il l'a activé trop tôt, en fait. Donc, pour activer la pause, en fait, il passe dans le menu, hein, du jeu, et là, il voit qu'il n'est pas à la bonne frame, parce que son link est pas assez à gauche. Donc, là, il sait qu'il va perdre 4 secondes, le temps d'aller dans le menu. Voilà, et cette fois-ci, il va commencer à bouger. Donc là, il a bougé. Il équipe, il en profite d'être dans le menu. Bah, il équipe le bouclier. Il en aura besoin en plus pour plus tard. Et là, il déclenche à ce moment-là le jump slash. Donc là, sorte de recoil boost. Hein, donc le fait de frapper contre une paroi, bah, ça le propulse. Ça le propulse en dehors du décor. Donc là, vous voyez, le jeu se met un peu à bugger, on est en dehors des limites du jeu, on est sorti de ce qui est représenté graphiquement dans le jeu. On en fait un autre, on se déplace en nageant, donc là de manière assez précise. Vous voyez, là ça commence à déconner quand il va traverser en fait le mur. Donc là, comme la caméra au-dessus qui repasse par le sol, en fait la caméra montre le sol, il est dessous. Il passe en dessous et il va ressortir. Vous voyez Mido qui le suit. Hein. Alors Mido, faut voir qu'en plus, il vous détecte, il a une grosse zone de détection et il vous suit. C'est pour ça que des fois, si vous n'êtes pas au bon endroit, eh ben, il se met juste devant vous. Ils ont vraiment été vicieux là-dessus dans le code. Hein. C'est-à-dire que genre, ils ont dit, ah mais il y a peut-être des petits malins qui vont essayer de le skipper. Et bah du coup non, parce que en fait, il a une grande zone de déplacement. Vous avez vu, il se déplace à la frame en plus. Hein, et très vite, c'est Usain Bolt, hein, Mido. Hein, il fait le check. Et du coup, il vous empêche de passer en mettant son corps devant. Voilà. Et nous, on réapparaît derrière. Enfin, nous. Cosmo avec son Link qui réapparaît derrière. Et il se casse. Voilà.
Alors il faut, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il passe dessous et il re-rentre, si vous voulez, dans la map en passant par-dessous et passant par-dessus. Enfin, en revenant, si vous voulez, un peu en s'élevant dans les airs, quoi. Et du coup, il revient à l'intérieur du niveau. J'ai pas compris, Skull, ce que tu voulais me dire. Le bouclier et l'épée, non? Oui, c'est ça. Bah, oui, t'as peut-être répondu alors que j'étais en train d'expliquer. Oui, normalement, il veut que t'aies le bouclier et l'épée. Donc en soi, c'est ce que je disais. Il a déjà le bouclier, mais il n'a pas d'épée. Mais même s'il avait une épée, ça irait plus vite de passer en utilisant le middle skip. Enfin voilà, j'ai pas suivi ce que tu disais exactement, Skull, parce que j'ai juste ta phrase arrêtée et avec le live, enfin avec le délai sur Dailymotion. C'est pas toujours évident. Alors maintenant, on va revoir ce que nous a demandé. Comment s'appelle? J'ai oublié. Il y avait Balou, je crois, dans son pseudo. Désolé, j'ai oublié ton pseudo. Contrôle Balou. Donc, le Goma Fight, on pourrait dire. Hein. Donc, c'est un petit peu plus loin. Donc, là, c'est le B1 Skip. Donc, c'est un petit peu plus loin. Ah pardon, excuse-moi, Skull. Ah oui, si j'ai dit qu'il checkait le bâton, je me suis planté. Oui, pardon. Il check si on a une épée, bien sûr. Et nous, nous n'avons qu'un bateau. Qu'un bateau. Hein, on n'a qu'un bateau, bien sûr. On est une vedette, on a un bateau. Oui, un bâton. Alors excuse-moi, en effet, si j'ai fait cette erreur, Skull. Tout à fait. Tu fais bien de me préciser. Des fois, je m'emballe. Alors attends, ça doit être Goma. Non, là, il vient de se le faire. Là, il vient de se le faire. Là. Non, un petit peu avant, on a juste besoin de ouais, l'entrée par contre. Voilà, là on va être bien, on va le voir rentrer. Par contre, je voulais voir quelque chose. Il a pas, je sais pas c'est qu'il a rentré. Peut-être qu'il l'avait rentré très en avant. Non, c'est pas ça. Dernière attaque. Je voulais juste voir. Non, c'est moi, je check un truc, ce que j'avais pas vu. Est-ce que. Donc là, il équipe la Noix Mojo qui va être. Donc tout ça, il la récupère uniquement pour Goma. Hein, il n'en aura pas d'autre utilité. Je voulais voir du coup s'il rentrait une attaque avant en fait. Ou si il déclenchait directement les SG. Donc là, on passe la petite énigme en faisant ça assez rapidement. Vous avez vu, il reste en un point. Il déploie son bouclier, ce qui fait qu'il renvoie les noix. Sur les ennemis. Ouais, parce qu'il n'a pas le bâton d'équipé quand il rentre. Ok, c'est ça. Parce qu'il l'a cassé quand il a jump slashé pour obtenir le recoil boost et arriver sur le bon rivage. Ah, c'est là en fait. Ok, c'est là qu'il fait l'attaque. D'accord. Parce qu'à un moment donné, je me dis, il est obligé de charger une attaque. Donc là, il charge une attaque. Cette attaque en fait a une certaine valeur si vous voulez, mettons que ça soit 4. Quand il va utiliser l'attaque des stocks en fait, elle n'a pas de valeur et elle va prendre la valeur de la dernière attaque faite par le joueur. En l'occurrence celle-ci. Donc du coup, c'est pour ça qu'on parle de power stabbing. En fait, on va rentrer l'attaque la plus puissante si vous voulez et on va ensuite stabber. Et quand on va stabber, comme il n'y a pas de valeur pour cette attaque et que ça va prendre la valeur de la dernière attaque retenue, ça sera ce power. Ce j'aime ça, pardon. Cette grande attaque. Et donc du coup, ça va être la valeur qui va être rentrée pour le stabbing. Donc ensuite, on va donc attendre Goma, mais il va quand même falloir l'attirer. Bon là, on est obligé d'attendre la cinématique pour qu'il arrive, tout ça, voilà. Il est en haut. Alors je rappelle que normalement, Goma, hein, s'il a un œil, c'est pas pour rien. C'est qu'on est obligé de le tuer avec le lance-pierre. Lance-pierre qu'on n'a absolument pas récupéré, c'est pareil, hein, pour se rendre à Goma, vous avez vu qu'il n'a pas du tout fait tout le tour du temple, rien à faire. Donc là, on est obligé d'attendre l'arrivée de Goma. Qui est un boss qui n'était pas tué comme ça. Avant, on se petit suicidait en même temps que Goma. Goma mourait avant nous, puisque en fait, il avait la priorité. Et ensuite, on se retrouvait ici. Voilà. Donc là, interaction ennemie, on a vu, vous voyez, le bâton brille. Donc ISG déclenché. Déroulade. On va donc se mettre dans un angle assez précis devant la porte. On se déséquipe de son bâton. D'ailleurs, il s'est déséquipé là. Voilà, parce qu'il va être obligé d'utiliser le bouclier. Donc, il se tient de manière précise. Il attend avec le bouclier que Goma attaque. Et vous voyez, en backflippant, en mettant son bouclier au bon moment, on va être projeté. On va clipper à travers la porte. Du coup, on a son bâton qui est toujours en IEG. Donc là, en fait, on va se mettre à toucher Goma lorsqu'on va, le bâton va rentrer en contact parce qu'il passe à travers la porte. Voilà. Donc, du coup, on arrive à toucher Goma.
Et vous n'avez pas eu le temps de voir peut-être, j'ai repassé, il a lancé en fait une noix Mojo. Hein. Vous n'avez pas dû la voir. Regardez ici, il y en a 5. Avec ça a été un peu vite. Quand il est derrière, regardez bien, il lance aussi une noix Mojo. C'est vrai que ça se voit pas trop parce que c'est assez rapide. En fait, c'est quand il a donné l'attaque. Ça se trouve, on l'a pas dans la frame, c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas vu. Non, un peu plus. Là, il va être propulsé. Ok. Voilà, là, on est propulsé. On attend, frame par frame, pour essayer de rien rater, tellement c'est. C'est ça, hein, pour regarder les runs d'Ocarina of Time. Voilà, donc là, il se place. Et attends, Goma. Parce que bien sûr, hein, faut vous dire qu'il faut que vous soyez au bon endroit, au bon moment, en faisant les bonnes roulades, quoi. C'est pareil, hein, ça demande une précision assez incroyable de placement. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Non. Je vais vous montrer le moment où. Voilà, là, elle est partie. Allez. Donc là, on la lance. Bim, elle touche. On a toujours l'ISG déclenché. On s'avance. Et on va faire des roulades. Et en faisant des roulades, en fait, le bâton Mojo va toucher. Voilà, on va le mettre à vitesse réelle, on peut le voir. Voilà. Et en faisant ces roulades, on n'a pas l'impression, mais donc on envoie des dégâts à Goma. Et ce qui fait qu'on le bute à travers la porte. Donc j'explique hein, tout ça parce que ça nous évite, une fois que vous êtes à l'intérieur, en fait, de cette salle, vous ne pouvez pas ressortir. D'accord? Et vous avez besoin de ressortir. Enfin, c'est pas que vous avez besoin d'en rentrer parce que, grosso modo, sinon vous n'auriez pas accès à la porte qui est au fond. Et ce qui se passe, c'est que là, en clipant et en re-rentrant ensuite, comme le jeu considère que Goma est mort, vous n'avez plus ces problèmes d'obstacles qui vous empêchent d'atteindre la porte que vous voulez ouvrir, vous, une fois que vous avez activé le Blue Warp, d'accord? Parce que, si vous voulez, la porte est bloquée quand vous rentrez qu'il y a Goma. C'est pour ça qu'ils étaient obligés de re-rentrer dans cette salle, c'est parce que, du coup, quand Goma est mort, on n'a plus ces obstacles qui nous empêchent d'utiliser la porte de sortie. Et donc, on va, voilà, gagner du temps comme ça parce qu'avant en fait on se tuait, on était donc on réapparaissait au début de l'arbre Mojo et on retournait à Goma d'une manière différente. Et donc ça c'est un gain de temps énorme. On me dit c'est quoi ce stream qui lag à mort? C'est la mauvaise foi, je suis en frame par frame. Bon, alors, est-ce que vous voulez voir d'autres choses? Ah, il est 51 en même temps. J'ai juste la place d'équiper. D'équiper mon arbre Mojo. Voilà, j'ai juste le temps d'équiper mon arbre Mojo. Je suis fatigué, très fatigué, ça ne va plus. Est-ce qu'il y a une dernière question concernant un trick qu'on aurait vu donc au préalable dans ce run? Je sais pas, je vais remonter un petit peu le feed, voir s'il y a des choses intéressantes qui se disent. La chasse aux cocottes, mais arrêtez avec cette chasse aux cocottes! Devez voir que vous êtes incorrigible. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous ne voulez voir que des cocottes. Vous avez pu voir sur Gaming Live Marla, je sais plus quel soir, et vous n'êtes pas content. Bah c'était hier soir. Vous avez vu des cocottes. Trop de streams, je dois faire dodo. Non, mais voilà, il faut voir. C'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup évolué hein, autour de Ocarina of Time. C'est vrai que c'est incroyable parce que moi, je me souviens encore quand je voyais des runs où, du coup, ils faisaient, si à l'époque ils faisaient aussi l'ISG sur Goma, mais du coup ils faisaient en sorte de se tuer au même moment. Après on réapparaissait, il fallait faire un autre trick, souvent en fait en utilisant pas un peu comme ce qu'on a vu là sur Goma, en fait un shield qui était maintenu dans les airs avec un Blackfeet pour être propulsé comme ça et on utilisait des coups baba, des coups baba pour être des coups baba boost ou recoil boost pour être comme ça propulsé directement en bas et atteindre plus rapidement en fait la porte devant Goma. Donc pas d'autres questions?
Eh bien, écoutez, j'espère que ce run commenté vous aura plu. Vous pourrez donc me retrouver demain pour mon entraînement sur Tetris entre 12h et 14h. Je ferai, je pense pas demain que je vais streamer sur ma chaîne Twitch du MGS. Je pourrais être certainement l'entraînement online. Et puis donc la semaine prochaine, on se retrouve pour un Beyond Gaming à heure habituelle, donc entre 22h et minuit. La semaine prochaine, ça sera, j'ai pas encore décidé. Soit ça sera un speedrun de nouveau commenté, soit ça sera un tournoi Tetris. Je vais voir. Je vais voir suivant la motivation, mais en effet, j'ai encore un autre speedrun sous le coude que je voulais vous commenter. Donc peut-être que je vous ferai ça. Je verrai quand est-ce que je me décide. La tournée des bars, c'est quand? Alors, la tournée des bars, malheureusement, n'est pas encore un programme fixe. Et étant donné que ces temps-ci, il y a pas mal de remplacements à faire, en fait, c'est vrai que malheureusement, ça tombe un peu quand ça veut. Il y en aura certainement une la semaine prochaine. Mais du coup, c'est vrai que, étant donné qu'il y a des remplacements à faire, là, on n'a encore pas encore décidé d'imposer une heure, on va dire, hebdomadaire de la tournée des bars. Mais t'en fais pas, ça, il y en aura une la semaine prochaine, ça c'est sûr. Il y aura normalement aussi un autre rendez-vous, j'espère, si j'arrive à le mettre au point et l'alimenter suffisamment. Speedrun de FF7 en 2h30. Ah, ça va être chaud. Il va falloir que Gaming Live moque 3-4 heures pour vous commenter ça. C'est vrai qu'en effet, oui, tu as raison de le mentionner. Il y a. C'est Kainos? Non, comment il s'appelle ce runner? Celui qui a encore rebattu le. En effet, son temps en moins de 2h30, mais non, en utilisant le Wonfie Warp. Oui, en fait, Kuroneos, c'est un run qui utilise un bug qui n'est disponible que sur la version japonaise, la dernière sortie en fait, PC, la dernière sortie, qui s'appelle le Woofy Warp. C'est à base un petit peu de sauvegarde corrompue et grosso modo, tu boucles le jeu en 2h30. Oui, en effet, tu as raison, Contrôle Balou. Il y avait le runner à l'ISA, mais là, son nom m'échappe. Je sais plus si c'est Kainos ou si c'est lui. Là, sur le coup, j'ai un énorme doute. Donc, je ne vais pas me prononcer, mais en effet, oui, ce run est assez intéressant. Ah, écoutez, peut-être un jour, mais c'est pas ce qui est prévu. Là, je pars plutôt sur quelque chose qui va durer 2 heures, mais pourquoi pas un jour commenter ça. Bien, bah écoutez, je vais vous souhaiter une très très bonne toute une très très bonne soirée. Ah, tu joues à la manette, toi, Tetris Online. Ah, moi, je joue au clavier. Je joue au clavier. Avec la manette, ça va être sympa aussi. Bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée qui va continuer sur Gaming Live avec Atomium, qui va vous présenter un jeu certainement que je ne connais pas, hein, comme tout ce que présente Atomium. Moi et le jeu indé, ça fait 23. Et même quand ce n'est pas des jeux indés, je ne connais pas ce qu'ils présentent. Donc, eh bien voilà, je vous laisse patienter jusqu'à 20h pour Marginal Gamers et retrouver Atomium de 20h à 22h, pardon, je sais pas ce que j'ai dit, patienter jusqu'à 22h, je crois, enfin patienter jusqu'à 20h, pardon, pour retrouver Atomium. En tout cas, merci d'avoir suivi ce Beyond Gaming sur Ocarina of Time, à très bientôt, n'hésitez pas bien sûr à me suivre sur les différents réseaux sociaux, suivez aussi Beyond Gaming pour avoir en quasiment en temps réel les nouveaux temps speedrunning qui sont améliorés sur le Twitter @beyond_gaming. Et puis sinon, hein, n'hésitez pas à me mentionner aussi ou passer sur mon blog sephiros.wordpress.com @sephiros, c'est avec un 0 à la place du O. Et sur ma chaîne Twitch, éventuellement quand j'y suis, ou sur ma chaîne perso Gaming Live. Enfin, je suis un petit peu partout. Bien, allez, très très bonne soirée à tous. Je vais pouvoir aller enfin me reposer. Bonne chance pour Atto pour son stream. Allez, ciao ciao. Bonne continuation des programmes sur Gaming Live et la chaîne Powerplay.